Bienvenue à vous tous. Ici Danielle Delaney et cette semaine, l'hypnose et les émotions. Et aussi la réponse du public à la question « À qui s'adresse l'hypnose? » Et de plus, une journaliste qui a fait la couverture complète de la commission parlementaire sur les thérapies alternatives en 1993 et finalement l'auto-hypnose avec M. Noël Delcourt. Je m'entretiens maintenant en studio avec Mme Betsy Gambecha, naturothérapeute et hypnologue, membre de l'Association des hypnologues du Québec. Bonjour, Mme Gambecha. Bonjour. Bon, pouvez-vous nous dire si l'hypnose peut être utilisée pour aider une personne qui a des problèmes émotionnels? Oui, l'hypnose peut être d'une grande portée thérapeutique puisqu'elle aide vraiment à une intériorisation. Et suite à ça, la personne peut prendre contact vraiment avec les émotions qu'elle vit et apporter une amélioration rapide et durable. Mais comment est-ce que l'hypnose peut amener cette amélioration-là dont vous parlez? Bien, comme je vous ai dit, ça amène une intériorisation et la personne peut vraiment rentrer en contact avec des blocages, des traumatismes et même certains événements qui sont susceptibles d'avoir à long terme apporté ces émotions-là qu'elle vit présentement. Puis, pourquoi c'est important que la personne aille découvrir l'événement ou les événements qui sont rattachés? Parce que bien souvent, quand on vit des événements qui peuvent être traumatisants, on prend une décision inconsciente. Par exemple, un petit enfant de 5 ans qui est témoin d'une dispute, soit oculaire ou même auditive de ses parents, une dispute verbale ou même physique, peut décider suite à ce témoignage-là, de vraiment, pour lui, il ne veut pas vivre la chicane, il n'aime pas la chicane, puis il va tout faire pour l'éviter. Donc, dans sa vie adulte, et bien souvent, il va avoir un comportement qui va éviter les disputes, les confrontations, et puis il va contourner, et il va tout faire pour ne pas avoir à vivre une confrontation. C'est quel changement qui s'opère à ce moment-là? Bien, la personne apprend conscience de ses patterns, les patterns répétitifs. C'est quoi l'avantage d'identifier ces patterns-là? Bien, ça amène à ce moment-là, grâce à l'hypnose, de vraiment rentrer en contact avec ces patterns-là, d'en prendre conscience et de les modifier, non pas par un processus mental ou intellectuel, mais vraiment de rentrer en contact direct avec son subconscient, de reprogrammer et de modifier de façon durable. À ce moment-là, d'éliminer complètement ces patterns-là qui sont nuisibles bien souvent dans notre vie d'adulte, qui ne servent plus. C'est pour quel genre de problème que les gens vont consulter les hypnologues? Pour quel genre de problème émotionnel? Bien, il y a tous les problèmes émotionnels. Disons qu'il y a le burn-out, la séparation, le divorce, le deuil, l'insomnie, l'anxiété, l'angoisse, toutes les phobies, l'abus, l'inceste, les problèmes relationnels aussi entre couples, à l'intérieur du couple, tous les problèmes relationnels, également parents-enfants. Il y a toutes les périodes de transition comme la ménopause, l'adolescence, l'accouchement, perte d'emploi, changement d'emploi. Et aussi, il y a bien souvent la maladie parce que les problèmes émotionnels, des fois, et les problèmes physiques ont une relation qui est très étroite. Est-ce qu'on vit toujours une régression dans son enfance lors d'une session d'hypnose? Non, pas toujours. On ne planifie pas avec notre client aujourd'hui en état d'hypnose, vous allez retourner à l'âge de 5 ans. Bien souvent, la personne qui nous consulte en état d'hypnose retourne spontanément à un événement spécifique qui l'a traumatisé dans son enfance. Est-ce qu'on parle de faire un travail sur son enfant intérieur?
Oui, bien sûr, c'est un travail avec l'enfant intérieur, c'est un accueil de l'enfant intérieur pour faire la paix et pour l'accueillir, pour l'aimer. Bon, merci, Betsy. Et maintenant, écoutons ce qu'en pensent les gens sur la rue. Je sais pas, être hypnotisée pendant certains laps de temps. En fait, moi, je me vois pas du tout hypnotisée. Il est incapable de l'être, j'ai l'impression que tout à coup, d'une façon ou d'une autre, que je sois figée, que je sois complètement sous l'emprise d'une autre personne. Il me semble, en tout cas pour moi, pour mon tempérament, ça me semble complètement surréaliste pour mon tempérament à moi. Vous connaissez quelqu'un qui s'est déjà fait hypnotiser? Oui, ma belle-mère. Comment est-ce que ça s'est passé? Bien, c'était pour régler des problèmes. Puis bien, je pense que ça s'est bien passé parce qu'elle a réglé beaucoup des problèmes en faisant des thérapies comme ça. Là. Hypnose, pour moi, ça veut dire hypnotiser quelqu'un pour faire endormir, pour savoir ce qu'il y a dans sa mémoire ou se souvient de quelque chose. Bonjour, Cornelia. Bonjour, Daniel. Dis-moi, selon toi, à qui s'adresse vraiment l'hypnose? L'hypnose s'adresse à tous ceux qui ont la capacité de se concentrer, qui voudraient l'utiliser. Donc, à tout le monde, au fond. Oui, et surtout à ceux qui veulent faire des changements dans leur vie dans le sens positif. Et à quel âge peut-on vraiment profiter de l'hypnose? Il n'y en a pas d'âge précisément où on peut profiter ou non. Comme je dis, les qualités qu'on doit avoir pour le faire, il s'agit d'avoir une jeunesse d'esprit. Et bien sûr, on fait des exceptions en ce qui concerne les enfants qui sont trop jeunes, qui ont en bas de 8-9 ans, parce que leur capacité de concentration est faible et leur coopération est moindre que chez les enfants qui sont plus âgés. Mais si les problèmes surviennent chez les enfants qui sont plus jeunes, leurs parents, en utilisant l'hypnose, pourront s'accorder mieux à l'éducation qu'ils donnent à leur enfant et retrouver les causes des problèmes qui surviennent chez leurs jeunes enfants et les régler sans intervenir directement sur les jeunes enfants. Bon, bien, nous avons aussi vu le portrait de personnes qui peuvent faire appel à l'hypnose, mais j'aimerais que tu nous parles des gens qui ont des problèmes. Qu'est-ce qu'ils pressentent? Les gens qui se présentent devant nous ont des problèmes physiques ou des douleurs physiques ou des douleurs morales. Et on ne peut pas dire laquelle fait plus mal encore. Mmh, c'est vrai. On sait bien. Et bien sûr, ce sont des gens qui veulent combattre leur dépendance ou des gens qui veulent changer des attitudes qui sont non conformes à leur vision de vie et veulent s'améliorer. Des gens qui veulent améliorer leur performance dans n'importe quel domaine, qu'ils soient des sportifs, qu'on a déjà vu dans certaines émissions, ou qu'ils soient des performances de travail, ou même dans la relation qu'ils ont avec les autres gens, ils veulent performer, avoir une meilleure communication avec les autres. Bien sûr, s'adresse toujours à ces gens-là aussi. Ceux qui veulent se débarrasser de leur agressivité. Je vais vous donner un exemple. Une mère de famille qui était venue me voir parce qu'elle avait des problèmes, manifestait de l'agressivité envers son jeune garçon. Et elle regrettait amèrement ses gestes par la suite. Mais c'était plus fort qu'elle et en fin de compte, elle répétait le même comportement que ses parents ont eu envers elle-même. Et en vivant ses émotions et en les démystifiant, elle a été capable d'avoir une attitude normale envers son enfant et de lui montrer l'amour qu'elle avait pour son enfant de la manière saine. Aussi, on peut augmenter nos performances dans le sens des étudiants qui veulent augmenter leur moyenne en apprentissage à l'école, oui. Ils peuvent le faire en s'aidant de l'hypnose. En général, je peux conclure que tous ceux qui s'adressent à nous ont comme résultat une augmentation de leur qualité de vie.